Salut à tous. Bon, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo de review de ce couteau, le Condor Kephart, il y avait un problème avec le biseau secondaire. Donc j'ai pris mon huile de coude, je me suis assis à ma table et j'ai pris une petite demi-heure pour affiner un peu les moutures. C'est pas encore le top, hein, mais je trouve que les choses se sont déjà bien améliorées. Alors dans un premier temps, on va voir la méthode, et dans un deuxième temps, on va voir les tests de coupe. He got himself a homemade special. You know his glass is full of sand. And it feels just like a jaybird. The way it fits into his hand. He rolled a blade up in his trick towel. They slapped their hands against the wall. Never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Strip him a picture of our Jesus. Or give him a spoon to dig a hole. Well, all it done ain't no one's business. But any blankets for the cold. Begged him to lie to on Broadway. Even the king. Never speak the smile with me. He's walking Spanish down the hall. The teller's screeching for a blind pig. Punk Sanders carved it out of wood. He never sang when he got hoodwinked. They tried it all, but he never would. Tomorrow morning there'll be laundry. But he'll be somewhere else to hear the call. Don't say goodbye, he's just leaving early. He's walking Spanish down the hall. Bon, résultat des courses, ben c'est pas le même couteau.
Hein. Je pense qu'il peut encore être amélioré, clairement. Mais voilà, je suis assez satisfait de ces performances-là. Je vais retourner le tester en forêt dès que je peux. Et puis, je déciderai s'il y a besoin d'aller plus loin. J'ai peur qu'en l'affinant plus que ça, je rende le fil carrément fragile. Et comme je compte continuer à faire du petit bâtonnage avec, je préférerais éviter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et puis à bientôt sur ma chaîne.